Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous retrouvons des vidéos de pâte à modeler avec notre ami Oscar et le salon de coiffure. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim ! T'as toujours faim, toi, Oscar. Va voir dans le réfrigérateur. Mais c'est toujours la même chose qu'il y a dans le réfrigérateur, j'en ai marre ! Mais Oscar, on te donne toujours ce que tu demandes. Oui, je sais, mais j'en ai marre parce que c'est toujours la même chose. Va vérifier, on ne sait jamais, il y aura peut-être quelque chose qui te plaira. Bon, d'accord. Il y a de bonnes choses dans ce réfrigérateur. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Je serais bien étonné, dis donc, s'il y avait quelque chose de nouveau là-dedans. Bah, on va voir. Waouh, regarde tout ce qu'il y a. Mais j'aime pas ce qu'il y a, franchement. Du maïs, des fraises, ça m'intéresse pas, moi. Mais c'est quoi qui t'intéresse, alors? Je sais pas, autre chose. Tiens, il y a du gâteau là-haut, tu peux me le donner déjà? Ah, du gâteau à la carotte. C'est vrai qu'il est bon, celui-là. Il a l'air vraiment appétissant. T'aimes bien ça, Oscar? Ah oui, moi j'aime bien ça! Tu le veux alors, je suppose? Bah oui, je le veux, s'il te plaît! Allez, tiens! Oh. Miam, 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 il est très très bon! Tu veux autre chose? Non, de ce côté-là, il n'y a rien qui m'intéresse! Qu'est-ce qu'il y a dans le congélateur? Ah ben, on va voir ça tout de suite. Je suis sûre qu'il y aura quelque chose qui te plaira. Alors, tiens, regarde, il y a de la glace, du poisson et des myrtilles surgelées. Oh là là, mais il n'y a rien, c'est toujours la même chose. Donc, tu veux rien, là? Mais si, donne-moi la glace, mais c'est quand même pas assez, moi j'ai faim. Ok, je vais te donner la glace. Commence déjà par ça. T'as une glace à la vanille avec sauce chocolat. Je suis sûre que tu vas aimer. Allez, tiens. C'est vrai qu'elle est bonne, mais moi j'ai encore très très faim là. Tu sais quoi, Oscar? J'ai une bonne idée. Ne bouge pas. Bah tu vas où là? Bah reviens, moi j'ai faim moi. Attends, j'arrive. Regarde. Je vais te faire du pop-corn et des frites. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'adore ça, j'adore ça. Youpi! Et il y a tout ce qu'il faut pour faire de délicieux pop-corn, tu vas voir. Alors, on va commencer avec de la pâte blanche. On va la mettre dans la machine à pop-corn. Voilà, directement là. Tu vas te régaler, Oscar. On met le pot en dessous. On appuie. Et on tourne. Regarde comme il a l'air super bon, le pop-corn. Tu vas te régaler. Allez, on va en faire plein pour remplir le pot. Regarde, on a déjà fait tout ça. Allez, on continue. Allez, on en rajoute encore un petit peu.
Voilà, c'est prêt, ton pop-corn est prêt. Miam, 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 je veux le manger tout de suite, le pop-corn. Ah non, attends, je vais te faire les frites d'abord. Comme ça, tu pourras tout manger en même temps. Oh là là, faut attendre! Mais oui, il faut patienter, Oscar. Mais tu verras, ça va être très rapide de te faire les frites. Et tu vas manger en un rien de temps. Et voilà, ta barquette de frites est prête. Regarde comme elle a l'air appétissante. Tiens, sens. Miam, 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 ça sent trop, trop bon. Je vais me régaler. T'as faim, Oscar? Oui, j'ai faim. Allez, on commence avec les frites. Fais A. A. Tiens, prends tout. Trop bonne! Et maintenant, autour du pop-corn. Regarde, tu as un pot bien rempli, là. Allez, fais A. Tiens, encore. Allez, on finit le pot. Miam, miam, très, très bon. Je sais, t'es en train de te régaler. Allez, finis tout, Oscar. Trop, trop bon. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait dans le frigidaire, Madame Récré. Je suis bien contente que tu sois rassasié, Oscar. La prochaine fois, c'est promis, on t'en fera un petit peu plus. Ouais, youpi. Bon, bah, j'y vais, moi. Attends. Pas si vite, reviens. Ben quoi? T'as oublié quelque chose, Oscar? Non, rien. Bah, tu dois te brosser les dents. Oh non! Mais si, Oscar, tu vas voir, ça va être rapide. Il faut que tu te brosses les dents. Oh! Pff. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu vois les dents, là, comment elles sont blanches? Ça, c'est parce qu'on les brosse tous les jours. Au moins 2 fois par jour, Oscar. Avec du dentifrice et une brosse à dents. Allez, fais A. Tu dois toujours, toujours te brosser les dents quand t'as fini de manger. Si tu veux avoir de belles dents, bien saines, il faut bien te les brosser. Et n'oublie pas la langue non plus. Tu dois tout brosser. Voilà. Maintenant, tu as des dents resplendissantes. Tu vois? En plus, c'est la première fois que je sens bon de la laine. Il n'y a vraiment pas de quoi en rire, Oscar, là. Bon, allez, j'y vais. Oui, allez, à plus tard. Tiens, bonjour Madame Récré. Ah, j'ai encore faim, mais je suis pas tout seul aujourd'hui. Bah, tu viens? Calme-toi, c'est juste Madame Récré. Oh là là! Je sais que t'as faim. T'inquiète pas, Madame Récré va nous préparer de la pizza. N'est-ce pas, Madame Récré? Oui, je vais vous préparer de la pizza. La voici, ça va être super bon. Ok, calmez-vous les deux.
laissez-moi déballer tout ça. Donc là, on peut même prendre une pizza emportée. Il y a une pelle à pizza, de la pâte à modeler et des accessoires. Tout ce qu'il faut pour faire une délicieuse pizza. Un rouleau à découper, des assiettes, un moule. Vous allez vous régaler. Voilà, tout est sur la table. Qui veut la première pizza? Toi, Oscar? Ou ton ami, là? Ben, c'est quoi comme question? Ben, ça, c'est évident que c'est moi, Madame Récré. Ben non, t'as quand même un invité, Oscar. Et alors? Justement, c'est moi qui invite, donc c'est moi qui mange d'abord. Il est pas content, ton ami. Oh, ben là, je vais te dire quelque chose tout de suite. Si tu commences à m'énerver, je vais plus t'inviter, t'as compris? C'est moi qui mange la première pizza. Bon, d'accord, Oscar. Allez, poussez-vous tous les deux. On va tout de suite commencer la première pizza, celle d'Oscar. Tu veux du fromage, Oscar? Bien sûr, quelle question! Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à l'enfourner. Dans un four bien bien chaud. Voilà, on va mettre ta pizza dans le four et pendant ce temps-là, on va préparer celle de ton ami. J'ai hâte. Miam 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 miam. Tu vas te régaler. Bon, c'est à ton tour. Je vais te préparer une pizza, mais tu veux quoi comme garniture? Ok, tu veux des pépéronis? D'accord, autre chose, du brocoli? Non, t'en veux pas. D'accord, alors on va te mettre des pépéronis. Tu veux des oignons? D'accord, oignons et pépéronis, autre chose? D'accord. Ben écoute, on va te préparer ça tout de suite.
Ta pizza a l'air vraiment très bonne. Bien copieuse comme pizza, hein? Il faut attendre qu'elle cuise quand même. Eh oui, il reste plus qu'à attendre que ça cuise. Je sais, moi aussi j'ai faim. Ben justement, Oscar, ta pizza elle est prête. Elle sort tout droit du four et elle sent vraiment très bon. Ça sent trop bon. Attends, je vais t'en découper une part. Elle sent très très bon, tu as raison. Tu vas la goûter et me dire ce que t'en penses. Voilà, une délicieuse part de pizza margarita au basilic. Allez, tiens. Encore. Bah, et ton ami? Mais il a sa pizza, il a pas besoin de manger la mienne. T'en veux? Tu vois, il aime pas la margarita, alors donne-la-moi. D'accord, pas de problème, Oscar. Attends, je te la découpe. Voilà. Allez, tiens, prochaine part. Je sais que t'en veux encore. Allez, tiens. Encore. Je sais. Allez, tiens, ouvre grand. C'est la dernière. Miam. Elle est prête, l'autre pizza? Je vais voir tout de suite. Bah, je peux en goûter un petit peu, non? Ah, vous n'allez pas vous chamailler tous les deux. Voilà la deuxième pizza. Oh là là, ça me donne l'eau à la bouche encore, moi, cette deuxième pizza. Est-ce que tu veux la manger maintenant? Ah, tu veux l'emporter? Ben très bien, en plus elle est encore bien chaude. Voilà, elle est prête à emporter. Quoi? Tu vas pas la manger maintenant? Ah ben ça se fait pas, je pourrais en goûter un petit peu moi. Madame Récru, je vais plus l'inviter. Allez, tiens, et bon appétit. Voici le rasoir. Il a des sons, mais il faut mettre des piles à l'intérieur. Voici nos deux clients aujourd'hui. Il y a aussi un petit rasoir bleu, un ciseau violet et une brosse orange. Voici le siège du client. On va le mettre sur sa base. Et voilà. Et il suffit de faire tourner la manivelle pour faire monter la pâte à modeler et créer les différentes coiffures. On va commencer par la cliente avec de la pâte rose. Et on va mettre aussi une autre couleur, de la pâte orange.
on va mettre ces deux couleurs dans la tête de la cliente. Voilà, comme ça, je pense que c'est bon. Et maintenant, on la met sur le siège et on pousse jusqu'au clic. Et on tourne. Elle a de belles couleurs. On va lui mettre ses cheveux sur le côté. Et on va rajouter un nœud. Juste là sur le côté. Et voilà, la première coupe est prête. Notre cliente est très satisfaite. Je suis sûre qu'elle reviendra dans notre salon de coiffure. On va lui couper un peu les cheveux sur le côté. Voilà, comme ça ils sont un peu plus courts. Pour la retirer du siège, on tourne la manivelle et on tire. Et maintenant, on va lui raser tout ça. Et voilà, il est temps de lui faire une autre coupe. Et là, on va utiliser du bleu et du rose. On va rajouter la tresse sur le côté et en mettre une autre de l'autre côté. Pas mal du tout. Il ne reste plus qu'à rajouter le nœud. Et voilà, la deuxième coupe est prête. Il est temps maintenant de s'occuper du client. Elle aime aussi beaucoup cette coupe. Allez, autour du monsieur, du bleu et du vert. On va aussi rajouter de la couleur orange pour sa barbe. Et voilà, sa première coupe est prête. Je crois qu'on va lui raser tout ça. On commence par la barbe. Et ensuite, les cheveux. Et voilà, il est temps de lui faire sa deuxième coupe et on va utiliser du violet. Il ne nous reste plus qu'à ajouter sa moustache. Une belle moustache verte.
voilà, la deuxième coupe de monsieur est prête. On va peut-être lui couper un peu les cheveux parce que je les trouve un peu trop longs pour lui. Comme ça, il est parfait. Il est très content, il reviendra. Il va falloir nettoyer tout ça après. Et maintenant, on fait une dernière coupe à la dame, orange et rose. Et on va lui mettre le papillon juste là devant. Et sa troisième coupe est prête. Nos deux clients sont très satisfaits de nos services. Mettez un like si vous avez bien aimé cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.